Et encore une fois, je constate que c'est le moule qui gagne durant toutes les parades qu'il y a eu. Le Gaboul, ça a gagné. Le président, c'est un moulien. Excellence a gagné. Le président, c'est un moulien. Explosion a gagné. Le président, c'est un moulien. Donc, c'est moule qui gagne. Le moule qui gagne. Le moule en folie. Complètement le moule en folie, hein, José Wana. Alors, ça tombe bien, le moule en folie, le cloche. Concernant l'organisation de ce rendez-vous, concernant cette parade unitaire du dimanche 29 janvier, il y a un protocole qui va être strict? Ah oui, ça c'est sûr. Il y a un protocole, surtout côté sécurité. Sur la sécurité, on a tablé sur ça pour qu'il n'y ait pas de débordement. On a, par exemple, 35 policiers, on a 30 gendarmes, 40 agents de sécurité, 30 signaleurs et 150 bénévoles. C'est un gros dispositif hein, pour une parade. Un gros dispositif pour le carnaval du monde. Alors, il est important aussi de souligner, hein, José Wana, concernant la fermeture de la ville, c'est à partir de 13h. C'est sonnante hein, et non pas trébuchante, hein, 13h dimanche 29. La ville sera fermée à 13h, mais dès 8h du matin, le boulevard maritime sera fermé. Ah. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu à tous ceux qui vont se déplacer en masse? Parce que bon, on annonce à peu près, on l'a dit à la louche, hein, José Wana, entre 65 000 et 70 000 personnes qui vont se déplacer pour voir ce carnaval unitaire et pratiquement 4 500 carnavaliers. Eh bien, c'est de venir à Moultreto et prendre l'intérieur de la ville, ne pas passer par le centre-ville, passer du côté du Chiva. Et en sortant de Sainte-Anne, quand vous sortez sur Saint-François, vous êtes à l'intérieur du terroir, à l'intérieur de la ville, des sections du monde, la Petite Guinée, Vassaux, Bonan, les voitures peuvent se garer là. Mais au centre-ville même, ça sera impossible. Avec tout ce qu'on va mettre en place, ça sera vraiment, vraiment impossible. Quelles sont les attentes de l'organisation de Moule en Folie? Les attentes, que tout se passe bien, surtout qu'on a essayé de prendre l'unité, qu'on a essayé de, avec la UGC, la FEDI de Vassaux, le comité carnaval du monde, il y a la GCCAOP qui nous accompagne pour sécuriser le circuit, et les services techniques de la ville, le syndicat d'initiative, et les attentes, on croise les doigts pour que tout se termine en beauté, comme ça va commencer. Merci José Wana, responsable de l'organisation de Moule en Folie. C'est pratiquement terminé.